Pourquoi tu pars tout le temps cette tenue autour du cou? Ça va faire bizarre si je te le dis. C'est un anneau vibrant, c'est ça? Ah oui, tu te connais. Non, c'est un cadeau de mon ex. Voilà, c'était bizarre. Un anneau vibrant de ton ex autour de ton cou? Prêt? Ouais. Ouais. Non, non, c'est juste un cadeau. Elle s'appelait comment? Lily, pourquoi tu veux savoir ça? Bah, je sais pas, sinon après tu l'appelais mon ex tout le long, ça va être relou. D'accord, Lily. Ok, Lily. Ça va faire bizarre. En gros, bon, il y a 2 ans, elle a disparu. Et en fait, quand on était ensemble, elle m'a donné ça. Et qui est une réplique de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, et non pas un anneau vibrant. Merci, Alice. Et donc voilà, j'ai genre du mal à m'en détacher, juste pour dormir ou ce genre de truc. C'est con, mais je suis le genre de personne, genre, à m'attacher aux personnes et aux choses de ce genre. Désolée. Non, t'inquiète. Enfin, c'est rien. Mais du coup, faut que tu saches quelque chose. Justement, enfin. Moi, je suis pas le genre de personne à m'attacher facilement aux gens. Enfin. J'ai du mal à rester avec quelqu'un. D'accord. Et je sais pas si c'est bien pour toi de. Bah, de te mettre avec moi parce que. Enfin, je sais pas, je vais sûrement juste te faire souffrir en fait et. Enfin, je sais pas qui tu es, enfin, comment tu réagis et. D'accord, ouais, d'accord. Non, mais c'est pas grave. Enfin, au pire, on a juste couché une fois ensemble, c'est pas la folie. Ouais. Mais du coup, enfin, on fait qu'on en reparle plus tard avec du recul. Et voilà, je vous l'avais dit, putain. Maintenant, c'est mort pour avoir une relation amicale, hein. C'est complètement mort. Déprimez pas, les mecs, on l'a baisé! Bon, les gars, faut absolument pas qu'ils partent en dépression, d'accord? Non, mais sérieux, ça va, les mecs, elle a juste dit qu'elle voulait en parler avec plus de recul. Oui, bah en gros, elle nous a pris pour un plan cul, quoi. Il va avoir besoin de quelqu'un. Tu penses? Ça fait un moment qu'on l'a pas envoyé. Ok, on envoie Raph. Wow, putain, qu'est-ce que tu fous là? Bah, à ton avis, ça va, gars? J'essaie de dormir, laisse-moi tranquille, dégage. C'est comme ça que t'accueilles un vieux pote? Ça va pas le bonjour? Mec, j'ai plus besoin de toi, ok? Maintenant j'ai des amis, j'ai Max par exemple. Max? Genre, ouais, tu peux te confier à Max? Parler avec lui, c'est quelque chose, mais te confier, c'est autre chose. Laisse-moi tranquille, je t'ai dit, ok? Dégage, fous-moi la paix! Reviens, s'il te plaît. Alors, tu te sens comment? Bah, t'es dans ma tête, tu devrais le savoir. Mais c'est important que tu le dises. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu foutue de ma gueule. Pas forcément, elle a peut-être vraiment besoin de plus de temps. Ouais, bon, ça, déjà, à la base, c'est un mauvais signe, donc bon. Pas forcément, arrête d'être négatif, hein. D'accord? Bon, en attendant de savoir si elle veut de toi ou pas, hein, il va falloir que tu t'éloignes d'elle, d'accord? Surtout, pas que tu tombes amoureux. Ok. C'est un peu gênant, tu peux partir. Oui, pardon. Alors déjà, tu me donnes ce portable, t'arrêtes de checker son profil Facebook, hein, parce qu'il va sûrement y avoir des photos d'elle avec d'autres mecs, des photos qui vont te faire dire « Oh là là, elle est jolie, elle est pas avec moi, oh, elle est bonne, machin. » Et ça va te faire du mal. Faut t'occuper, changer les idées, parce que là, les pompes, c'est bien, mais c'est pas naturel, arrête. Arrête les pompes, arrête, en plus t'en as jamais fait, arrête, c'est nul, arrête, vraiment. Tu sais, les soirées entre potes c'est bien, hein, mais à condition d'y participer, parce que là t'as juste l'air d'un gros gland qui a envie de se suicider. Donc tu me feras le plaisir de te reprendre, hein. Allez, amuse-toi. Et sinon, pourquoi t'es plus sur Margot? C'est très bien qu'elle a un copain. Mais... Alors, ça t'a jamais empêché de penser à elle avant, hein? Eh oh, arrête avec ça, t'es con, c'est fini, hein. Écoute, là tu m'empêches pas de tomber amoureux, tu me fais juste chier. Moi je te fais chier? Ouais. Bah putain, si je te faisais chier, je t'aurais pas aidé pour Lily, hein. Reviens pas là-dessus, c'est pas pareil. Monsieur mauvaise foi. Si tu te contrôles pas, que c'est qu'il fait? Écoute, je sais gérer mes émotions, ok? Non, tu sais pas gérer tes émotions, t'es complètement immature. Ok, c'est bon, je bois pas.
Raph. Marc. Je... Chut. Tu m'aimes? Non, enfin, non, ta gueule, non, c'est pas ça. Non, je crois que ça a réussi. Enfin, c'est pas grave si elle me rappelle pas. Ça a réussi, mec. Ben voilà. Tu vois que tu peux y arriver. Et en plus, cette fois-ci, t'as été plus rapide que d'habitude. Putain, mais grave, ça fait trop du bien. Enfin, je me rends compte que, je sais pas, elle est pas si unique et que je vais faire plein d'autres rencontres. Alice ? Cause we deserve to feel fine, me and my guiltiness. Sweet mistakes of mine make my sweetness. For so long I've been waiting for a sign, my life's been a mess.